Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour un petit tuto de cartes. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse vraiment. Mais comme vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises sur mon groupe, j'ai été très fort occupée. Je le suis encore parce que même si je suis en congé actuellement, on a quand même pas mal de choses de prévues pendant notre période de congé, dont certaines choses qu'on pensait faire et qu'on ne fera probablement pas par manque de temps et aussi parce que ben on aimerait éviter de reprendre le travail encore plus fatigué qu'avant les vacances. Donc voilà, j'ai fait plein de modifications au niveau de l'aménagement de nos pièces. Donc ma scrap room a changé de pièce, mon fils a changé de chambre et je pensais très sincèrement avoir le courage de peindre ma pièce, mais voilà, maintenant qu'elle est complètement aménagée. J'aurais dû le faire avant en fait, j'aurais dû d'abord peindre la pièce avant de l'aménager complètement et je vous avoue que l'idée de tout redéfaire pour tout recommencer ensuite, on n'a pas trop envie, surtout que mon mari a moins de congés que moi malheureusement cette année et donc il fait aussi d'autres choses à côté donc voilà, j'aimerais quand même qu'il ait le temps de se reposer un minimum donc je pense que la peinture ce sera pour la prochaine. Enfin, la prochaine période de congé, on va dire. En attendant, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour scraper sans stress et sans prise de tête. Scraper des choses aussi, des choses, des tutos que j'ai vus chez d'autres scrap copines qui me plaisaient bien, mais que bah, parfois, forcément, je ne vais pas refaire en tuto vu que le tuto existe déjà. Hein. Le but n'est pas de vous faire un copier-coller de ce qu'une autre scrap copine fait, mais certaines choses, j'avais envie de les faire, et quand je fais des tutos, bah, j'ai pas le temps de scraper réellement des autres tutos vus chez des scrap copines qui m'intéressent aussi. Donc là, j'ai pu un peu me faire plaisir à ce niveau-là. Alors ici, je vais vous proposer un tuto de cartes. Donc je fais énormément de cartes d'anniversaire parce que je me suis lancée dans un petit défi cette année et donc du coup, bah, j'ai pas mal de cartes anniversaire à faire. Et finalement, c'est sympa parce que ça m'oblige en fait à faire travailler ma créativité. Et comme ce tuto-là, je ne l'ai vu nulle part, c'est vraiment, voilà, je me suis inspirée d'une photo Pinterest et puis je suis partie une réalisation vraiment de ma propre imagination. Je me suis dit que j'allais vous le proposer parce que c'est vraiment très facile, même si ça paraît l'inverse quand je vais vous montrer la carte en détail, mais au final, ça fait vraiment un bel effet. Je vous montre déjà deux modèles que j'ai ici. Et on va faire un troisième modèle, mais donc sur la même base, ensemble. Alors j'ai utilisé déjà pour ces deux cartes-là et pour celles qu'on va faire en tuto ensemble, la collection de papier Hertfeld Création, pardon, et c'est de la collection Floral Butterfly Collection. Alors je suis désolée, j'ai plus la page de garde de la collection de papier, mais comme ça, si vous voulez quand même essayer de vous la procurer, c'est Floral Butterfly Collection. Alors, sachant que Hélène ne les envoie pas des États-Unis parce que ça coûte très cher en frais de port, vous avez la boutique Bouti Scrap, qui est une boutique française, où vous trouvez aussi des produits Hertfeld Création, mais je ne sais pas s'ils ont toujours cette collection de papier, parce que vous savez quand même que Hertfeld ferme bientôt ses portes, hein, d'ici la fin de l'année. Voilà, tout ce qui concernera Hertfeld, ce sera du passé, malheureusement. Hein, j'en suis la première vraiment très triste parce que j'adore cette marque. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler avec des produits Hertfeld. Mais sachez que même si nous, on utilise dans nos tutos des produits que vous n'avez pas forcément, vous pouvez le faire avec d'autres choses que vous avez à la maison. Hein. C'est tout à fait faisable. Alors, je vais vous montrer la toute première carte que j'ai faite. Et en fait, c'est une carte qui, donc, quand vous l'ouvrez, vous avez un cercle découpé à l'intérieur qui fait apparaître l'image qui est en dessous et quand vous ouvrez la carte à l'intérieur vous avez une jolie image crochetée et j'avais vraiment envie de donner cet effet quand on la dépose comme ça de face on voit vraiment que l'image est à l'arrière en fait vous voyez et donc j'ai misé sur toute la décoration sur la page de devant et quand vous l'ouvrez ben vous avez cette magnifique image crochetée bien mise en valeur avec les papiers. Et ici derrière, j'ai quand même voulu faire une petite décoration pour éviter d'avoir ce trou qui ressemble à rien. Bon, la seule chose, c'est que bah, j'y ai pas pensé directement. J'ai utilisé des feuillages que j'avais déjà. Et à la base, les feuillages, l'arrière, on ne les voit pas. Puisque normalement, quand c'est collé comme ça, vous ne voyez pas l'arrière du feuillage, vous voyez. Et du coup, bah, là, on les voit.
Après, bon, ça me dérange pas, hein. Personnellement, je trouve que c'est pas dérangeant. Alors, j'ai fait vraiment une belle décoration. Donc, j'ai fait volontairement du côté où, au niveau de l'image, il n'y a rien, pour vraiment pouvoir mettre l'image en avant, si vous voulez. Donc, avec mon petit sentiment, joyeux anniversaire, les fleurs Hertfeld que j'ai fait moi-même, ainsi que les feuillages. Et cette fois-ci, j'ai ajouté des petites fleurs que j'avais déjà. Donc, ce sont des fleurs que je n'ai pas fait moi-même, ça, mais je les aime bien. Je me suis débarrassée d'une grande partie des fleurs que j'avais toutes faites, qui viennent du commerce, mais j'en ai gardé quelques-unes qui me plaisaient vraiment bien. Et je trouve que le mélange des deux, même des trois modèles, ressort vraiment très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'ai mis, je sais pas si ça s'entend, j'ai mis des toutes petites mini clochettes, mais vraiment toutes petites. Et quand on bouge un peu la carte, ça fait un tout petit bruit. Donc j'aime beaucoup. Alors j'ai mis également ici un contour de perles et ici encore deux petites mini compos florales, on va dire. Et derrière, j'ai mis pour que ça reste plat, parce que si je remettais des perles comme ici, ça allait, vous voyez, quand la carte allait être fermée, ça allait donner trop de volume et je ne voulais pas. Donc je voulais quelque chose de vraiment plat et j'ai toute une série de strass qui, à la base, sont des strass autocollants par rangée. Je me suis amusée à décoller chaque strass et à les coller indépendamment les unes des autres pour vraiment faire le contour à plat. Et ici, j'ai crocheté mon image avec ce très joli coton. Donc c'est mon coton, pardon, préféré de la marque DMC et c'est la Petra. C'est en taille, en grosseur numéro 5. Ce sont des pelotes de 400 mètres. Personnellement, pour faire cette image crochetée ici, j'ai préparé le tour en maille serrée avec un crochet 1,25. Et j'ai fait toute ma décoration crochetée avec un crochet 1,50. Je le voulais pas trop grand pour que ça soit harmonieux au niveau de la page. Donc voici le premier exemplaire et le deuxième, toujours avec la même collection de papier, mais vous voyez que dans cette collection de papier, vous avez vraiment différents coloris et j'aime beaucoup ça parce que ça permet, avec une même collection, de faire des réalisations complètement différentes en prenant les papiers les mieux coordonnés ensemble. Alors, dans le kit de la collection de papier, vous avez des images rondes prêtes à être simplement découpées à l'aide d'un die. C'est ce que j'ai fait avec celle-ci. Par contre, celle-ci, c'est pas du tout une image ronde à la base. J'ai pris une chute de papier sur laquelle j'ai découpé simplement l'image qui se trouve ici. À la base, le papier, c'est une feuille, quoi, si vous voulez. Et moi, j'ai utilisé simplement la partie de l'image qui m'intéressait pour avoir ce motif. Et j'ai coordonné avec ce très joli papier. Et ici, j'ai fait une décoration, donc dans les mêmes fleurs, mais avec des couleurs différentes coordonnées au reste du papier et avec d'autres petits éléments de déco en plus, un petit pompon tout doux, tout moumoute, une jolie perle un peu nacrée, des pistils roses, des jolies mini roses. Et ici j'ai fait un tour de perles blanc nacré pour faire ressortir le rose. Et alors à l'intérieur, voici la belle image crochetée que vous dévoilez quand vous ouvrez la carte en fait. Et j'aime vraiment bien ce principe de cacher l'image crochetée. Et quand on l'ouvre, hop, ça laisse apparaître l'image crochetée. Et toujours mon petit tour de strass ici pour finir un petit peu ce côté de la page. Alors, si vous voulez ajouter un petit mot à votre carte, moi j'ai mis à l'arrière à chaque fois un papier de déco, vous voyez, mais vous pouvez très bien ici faire un système de pochette dans laquelle vous allez glisser votre petit mot si vous voulez y ajouter un petit mot. Moi perso, pour une carte joyeux anniversaire, c'est pas toujours obligatoire d'ajouter un petit mot, on peut, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Et si vraiment je veux, bah, il me suffit de rajouter un morceau de cardstock décoré ici
Je les colle sur les trois côtés, je les laisse au-dessus et je peux y glisser mon petit mot sans problème. Ça permet de garder le reste de la carte vraiment, voilà, de ne pas gâcher la carte, de ne pas venir mettre un mot ici ou d'écrire sur le papier de décor que vous avez là, pardon. Donc c'est ce modèle de carte que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé et ce que vous aurez besoin. Ça vous permet de déjà tout préparer avant. Alors, pour pouvoir faire ça, si vous voulez faire comme moi une image crochetée, vous allez avoir besoin d'un die festonné avec des trous qui vous permet donc d'avoir ceci. Voilà, alors ici c'est creux parce que bah, j'ai déjà prédécoupé mes images pour faire ceci. Ça, j'ai déjà préparé en fait, c'est pour mettre ici, hein, vous voyez, là et là. Mais à la base, vous obtenez donc un cercle plein avec des trous comme ça sur lequel vous pouvez donc travailler et faire votre tour de crochet. Si vous faites comme moi du crochet, je vous conseille de doubler votre papier de base avec un papier cartonné à l'arrière, plus épais si votre papier de collection est fin. Mettez vraiment une double, voire une triple épaisseur, ça dépend vraiment l'épaisseur de votre papier de collection. Moi, les papiers Herfeld sont pas super épais, donc j'ai pris du 210 grammes pour mettre derrière, histoire de protéger les trous, parce que quand vous allez le manipuler avec votre crochet pour faire votre crochet tout autour, vous risquez de les déchirer et alors c'est dommage parce que bah, ça ne fonctionnera pas. Ceci dit, si vous ne savez pas crocheter et que vous voulez quand même réaliser ceci, vous pouvez tout aussi bien laisser le feston comme il est. Et ensuite, ici, au lieu d'avoir une image crochetée comme moi j'ai là, vous aurez ça et vous pouvez y mettre, faire un tour de perles ou faire un tour de strass comme moi j'ai là, ou le laisser naturel. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Ça n'empêche pas, même si vous ne savez pas crocheter, de le faire. Par contre, vous devez avoir un die festonné et un autre die d'une taille inférieure qui rentre bien dedans et qui laisse quand même un rebord. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait un bord. Moi, ici, ça mesure environ 4 mm. Donc, entre le trou et le bord de coupe, il y a environ 4 mm. Il faut que vous ayez quand même entre 3 et 5 mm ici pour que quand vous allez venir mettre ça au contour de votre découpe, que ça fasse joli, hein, que ça ressorte. Donc il faut que vous ayez un die normal, rond, qui passe au milieu. Pour celles qui n'ont pas de die comme ça, pas de panique, vous pouvez le faire avec un compas. Comment? Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez le centre de votre rayon et vous mesurez et vous tracez au milieu. C'est vraiment pas difficile de le faire avec un compas. Moi, j'ai même un compas qui coupe directement. Où est-ce qu'il est que je vous montre? Il est là. Donc, moi, j'ai acheté un compas comme ça. Je devrais vous faire une démo en fait de ça. Donc, ça, c'est la protection. Donc, vous voyez ici, j'ai la pointe et là, j'ai carrément une lame. Donc, au lieu d'avoir une pointe de crayon, ben, j'ai une lame. Et avec. Donc ça, c'est le pas de vis qui sert à bloquer pour pas que ça bouge quand vous allez tracer. Vous prenez votre règle. Je ne sais pas moi, si vous voulez un cercle qui fait 2 cm de diamètre, vous mesurez comme ça. Une fois que vous êtes à vos 2 cm, vous bloquez votre petite vis. Hop. Et ensuite, vous prenez une feuille, vous piquez au centre de votre feuille et vous faites comme ça et ça va découper votre feuille en même temps, tout simplement. Et ça va la découper directement. Ça vous évite de devoir le couper au ciseau parce que par exemple moi je coupe très mal au ciseau. Voilà, je suis pas une experte là-dedans. Donc je trouve que ça c'est vraiment une très très belle alternative pour les personnes qui n'ont pas forcément des dies à la bonne dimension ou qui n'ont pas de dies tout court aussi. Et moi, j'ai acheté mon compas cutter, pardon, dans un magasin, soit de loisirs créatifs, soit dans une papeterie aussi. Hein, vous pouvez le trouver. Donc, vous avez ces deux choses, c'est déjà bien. Vous pouvez préparer alors votre image crochetée
en fonction de la couleur de vos papiers. Donc moi j'ai fait en violet parce que je vais faire de nouveau une carte dans les tons violettes. Le cercle, ça dépend aussi de l'image que vous allez prendre. Moi j'ai pris une image comme ceci, donc que j'ai découpée avec ce cercle-ci, et du coup j'ai pris le contour plus grand pour pouvoir faire l'image crochetée autour et venir coller mon image ici au milieu. J'ai décidé, et il faudra préparer aussi deux découpes comme ceci. Donc pareil, vous prenez votre dies, vous mettez l'autre sur le papier et ça va vous donner ça une fois que vous allez passer vos dies à la machine. Donc il faudra deux découpes comme ça. Pour faire l'image crochetée, deux découpes complètes, pleines. Moi j'ai pris un cardstock blanc et le papier violet. L'image principale qui va être votre élément de décoration. Voilà pour les découpes. Ensuite, pour faire la base de la carte, alors j'ai choisi de le faire avec ces papiers-là. Ça fait très longtemps que j'ai plusieurs blocs de chez Action de cette gamme-là. L'avantage, c'est qu'ils sont très grands, plus grands qu'un A4 classique et même plus grand qu'un papier 30-30, puisque celui-ci fait de large 24 mais de haut 34. Or, les feuilles 30-30, elles ont 4 cm de moins, et moi, pour faire ce que je voulais faire, j'avais besoin de papier plus grand parce que j'ai un autre modèle de carte après à vous proposer aussi en tuto. Alors, il y a pas mal de couleurs, donc ça m'aide bien. Alors, pour faire votre élément, donc vous prenez cette base de carte-ci. Alors, pour ce modèle de carte, pardon, je pense que si vous prenez une feuille A4, c'est quand même bon. Oui, parce que c'est 20. Non, ça ira pas si vous prenez une... Non, il faut quand même ce modèle-là, tout simplement parce que en hauteur, ça fait 20. Donc ça va. Mais en largeur, ça fait 14. Ça fait 17 plis en deux. Donc si vous prenez une feuille A4 ou un 30-30, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous ayez les 34 de long pliés en deux, ça fait vos 17 cm. Vous voyez? Donc, on plie comme ça. On garde la longueur, mais on va recouper sur la largeur. Donc il faut vraiment ce modèle de feuille, hein. Donc, sinon, il faut redimensionner un petit peu votre papier et vous la faites plus courte. Mais alors, il faut vous assurer de prendre des ronds un peu plus petits. Parce qu'il ne faut pas non plus que votre rond soit... Vous voyez, regardez-moi, le rond, il prend quand même déjà une bonne partie de la page. Donc, on plie son papier en deux. Ensuite, on s'aide à l'aide d'un plioir pour le faire correctement. J'ai de la chance, en plus, ce papier-là, ce cardstock-là, ne se déchire pas. Je suis vraiment très contente parce que c'est un des gros soucis avec les papiers qui viennent de chez Action, c'est qu'en général ça se déchire et là absolument pas. Donc c'est très bien. Donc, quand vous avez votre base de carte, vous allez la redimensionner en hauteur à 20 cm. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je reviens tout de suite. Je vais faire ça. Morceau qui est là, vous le gardez bien parce que vous allez en avoir besoin pour faire après votre sentiment. Donc voilà. Donc une fois que ma base de carte est pliée en deux et redimensionnée sur 20, donc sur la largeur vous ne touchez à rien, vous gardez bien vos 17 cm et vous recoupez à 20. Vous choisissez ensuite 4 papiers de collection que vous allez mettre sur votre carte. Alors moi, j'ai choisi de faire un matage, mais pas très grand. Donc en général, ici pour ce modèle-ci, j'ai choisi de faire un matage de 4 mm, ce qui fait 2 mm de chaque côté. Donc mes papiers de collection mesurent 16,6 par 19,6. J'ai chaque fois retiré 4 mm. Je vais utiliser celui-ci ici au milieu. C'est sur celui-ci que viendra se poser mon image crochetée. Donc moi j'ai déjà pris un peu d'avance. J'ai déjà réalisé mon image crochetée.
Mais je vais tout installer avec vous, comme ça je vous montre comment je procède. C'est vraiment pas compliqué. Donc, ça va bien ressortir, surtout que je vais ancrer mes papiers avec. Donc, toute ma collection de papiers sera ancrée avec la Distress Oxide Dusty Concorde. C'est, je trouve, la couleur qui ressort très bien sur ces papiers-là. Donc, ben, si vous voulez ancrer vos papiers, hein, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Vous choisissez une encre qui est coordonnée à votre collection de papier. Donc, voici ici ce qui va se mettre. Ça va venir se mettre là. Celui-ci va venir se mettre là. Donc, les quatre morceaux mesurent la même chose. Hein, ça va. Donc, en hauteur, ça fait 19,6 et en largeur, 16,6. J'ai chaque fois retiré 4 mm, tout simplement. Donc, on va venir positionner comme ça. Avant de tout coller, je m'assure que c'est bon. Alors, cette image-ci vient là-devant. Et c'est maintenant, en fait, que je vais un petit peu regarder donc mon papillon, le sens de mon papillon, le sens de mon papier et où je vais décider de venir créer l'espace. Sachant que toute la partie crochetée sera cachée à l'intérieur de la carte, on ne verra que l'image. Mais je dois laisser suffisamment d'espace pour réaliser ma décoration florale comme ça. Moi, j'aime bien les grandes décorations florales, sachant qu'ici, je vais plutôt faire ma décoration florale de ce côté-ci de la page, puisque quand, donc, je vais peut-être, au lieu de mettre mon image comme ça, je vais peut-être mettre simplement l'image un peu plus comme ça. Ce qui me permettra de faire ma décoration ici, mais je ne veux pas mordre sur l'image qui est là. Si je mets l'image comme ça, le papillon ne me plaît pas. Il faut vraiment que je mette le papillon dans le bon sens, comme ça. Voilà, moi je pense que je vais. Comme ça me permet de mettre ici ma déco. Et je pourrais mettre mon petit mot joyeux anniversaire ici. Je ne suis pas obligée de le mettre en bas. Hein. Je peux le mettre à un autre endroit aussi. Donc voilà à peu près ce que ça donnera. Alors maintenant que j'ai le quatrième papier de la collection, c'est pour mettre derrière. Donc ça, je m'en occupe pas tout de suite. Donc maintenant que je sais à peu près comment je veux disposer mes feuilles, je vais ancrer tous les contours de mes papiers. Moi j'aime bien. Ça fait ressortir la couleur de mes papiers de collection sur mon fond. Donc je fais vraiment tout avec vous, comme ça vous voyez exactement comment je procède. Donc vous pouvez tout aussi bien, si vous n'avez pas ces grandes feuilles-là, vous pouvez prendre une feuille A4 ou une feuille 30-30, faire une base de carte plus petite et simplement choisir de faire un cercle plus petit. Donc, faire tout en plus petit si vous voulez. L'important, c'est que ce soit homogène au niveau de votre carte. Il ne faut pas que, par exemple, vous ayez une image comme ça et que vous n'ayez pas de place autour pour faire votre décoration. Il faut quand même avoir un minimum de place. Voilà. Donc, moi, je vous conseille aussi, avant de tout découper, c'est de choisir vos papiers de collection, voir comment vous allez les disposer et de, en fonction de ça, choisir votre coton aussi pour voir quel sera le coton qui fera le mieux ressortir votre image. Bon, évidemment, il faut essayer de faire avec ce que vous avez à la maison. Hein. Ça, c'est pour celles qui font l'image crochetée. Hein. Mais après, je vous ai dit, vous pouvez tout aussi bien faire cette carte sans crocheter votre image. Hein. Si vous ne savez pas crocheter, c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec un die rond, avec un die qui est travaillé avec des motifs de dentelle dedans, etc. Hein. C'est aussi très joli. Ça, c'est vraiment pour vous donner une idée. En fait, le but, moi, c'était de vous montrer en fait que on peut faire un peu un style de caché comme ça. Donc moi, en fait, je voulais que d'apparence, on ne voit pas l'image crochetée. On voit juste la photo de l'image, mais sans savoir qu'il y a une image crochetée en dessous. Moi, c'était ça mon but.
faisant ce modèle de carte. Et je trouve que ça fait vraiment son petit effet. J'aime bien faire des cartes. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec les années. Les gens aujourd'hui, lors d'anniversaires, d'événements, etc., ont plutôt tendance à envoyer bêtement un message très impersonnel. Souvent, on souhaite juste l'anniversaire sur Facebook et voilà, on ne marque pas vraiment, on ne personnalise vraiment plus nos vœux. Alors moi, pour certaines personnes, quand c'est des personnes plutôt éloignées que je connais pas vraiment personnellement, ben oui, je fais comme tout le monde, j'envoie un message sur Facebook et voilà. Quand c'est des gens que je côtoie pas régulièrement, mais par exemple moi mes collègues de travail je les vois tous les jours quoi, donc j'avais vraiment envie de leur faire quelque chose chaque fois de personnaliser. Alors mes amis très proches j'en ai pas beaucoup donc voilà, c'est pareil. Donc à ces personnes-là j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire et prendre le temps de voilà. Je trouve que c'est vraiment important. Et la quatrième, j'allais presque l'oublier. Et puis moi, ça me permet de scraper et d'allier l'utile à l'agréable. Parce que souvent, je suppose que je ne serai pas la seule et que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. On fait des réalisations, puis après, on ne sait pas trop quoi en faire. Je vois souvent des personnes qui se posent cette question sur les différents groupes sur lesquels je suis. Oui, qu'est-ce que vous faites de vos albums une fois qu'ils sont faits? J'en ai plein, je ne sais plus où les mettre. Bah, moi, en fait, la plupart du temps, quand je fais quelque chose, je l'offre. Alors, parfois, ça m'arrive de vendre quand c'est vraiment quelque chose qu'une personne me demande de précis et que la demande vient de la personne en elle-même. Elle me dit, voilà, est-ce que tu peux me faire ça, ça, parce que je voudrais l'offrir à telle ou telle personne. Ok, d'accord. Bah, si c'est un cadeau de ta part, alors forcément, je ne vais pas mettre de ma poche. Donc, forcément, là, oui, je fais payer le matériel, etc. Mais quand c'est moi qui décide d'offrir quelque chose à quelqu'un, ben voilà, ça me fait plaisir. Et donc parfois j'ai une idée précise de à qui va pour qui sera la réalisation que je suis occupée de faire. Et puis parfois pas du tout, je fais des choses et puis en fait quand j'en ai besoin, après je l'offre voilà, de bon cœur, tout simplement. Donc revenons-en à nos moutons. Alors on va commencer par coller nos. Donc ça je vais le faire hors caméra, il n'y a vraiment rien de compliqué à ça. Vous collez votre papier déco ici, ici et vous le collez ici et après je vous montre comment on procède pour le reste. Je mets sur pause et je reviens tout de suite quand j'ai collé mes papiers, hein. Voilà, je suis donc de retour, j'ai terminé, donc j'ai collé simplement pour le moment les papiers décor sur chaque face de ma carte. En faisant donc bien attention de bien les mettre là où moi je voulais qu'ils soient. Alors maintenant, ça va être le moment de venir faire le trou pour pouvoir voir notre image crochetée. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est coller. J'ai oublié, je vais le faire avec vous, c'est pas grave. J'ai oublié de coller mon dessin. Donc j'ai acheté une nouvelle colle en allant à une braderie du scrap. Il y a une semaine ou deux, je sais plus, la colle Nuvo. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de la tester en fait, et puis j'avais jamais pris l'occasion de l'acheter. Puis là, il y en avait une donc neuve, elle était encore emballée, donc je l'ai achetée pour tester. Et ben j'aime beaucoup. La seule chose que je trouve vraiment dommage, c'est que le tube est dur à faire sortir la colle. Je suis presque obligée d'appuyer comme une barbare en fait pour y arriver. Mais sinon, je trouve que ça colle très bien. Pour le moment, aussi bien que la hard glitter, honnêtement, aucun problème. Ça sèche aussi bien et ça sèche très vite et surtout ça sèche clair comme la hard glitter. Donc, c'est celle-ci que j'utilise pour l'instant. Le seul point négatif, c'est que le tube est vraiment difficile. Donc, vraiment le manipuler comme ça pour les toutes petites choses délicates, j'y arrive pas. Donc, j'ai toujours. Bah, j'ai soit un tout petit tube comme ça avec un embout vraiment très fin ou carrément mon mini tube hard glitter. Donc voilà. Mais sinon, pour coller brut comme ça, franchement, elle est aussi bien que la hard glitter et elle est vachement moins chère. Donc je pense que je prendrai les deux. Comme ça, je continuerai avec la hard glitter quand même
pour certaines choses parce que je l'aime beaucoup, mais je pense que je jonglerai entre ces deux marques de colle-là dorénavant. Alors, bref, petit aparté. Donc, je veux que. Donc, il faut déjà s'assurer que l'image, elle rentre. Hein. Faut pas mettre genre, faut pas que ça ressorte comme ça. Donc, il faut à peu près. Donc, vous voyez, par rapport à cette image-ci, je veux pas cacher ça. Et surtout, quand vous mettez votre image comme ça, il faut imaginer qu'on ne voit pas toute la partie violette en dessous, qu'on voit juste ressortir ça. Et il faut imaginer que vous puissiez venir faire votre décoration florale ici, ici autour. Parce que je veux que la partie où il n'y a pas l'image là, c'est cette partie-là qui soit décorée. Donc le papillon sera un peu plus vers la droite, comme ça. Parce que si je le mets comme ça, je suis obligée de mettre ma décoration florale ici, et ça, je n'aime pas. Donc ce sera à peu près comme ça. Comme ça, à l'intérieur, ben, quand vous verrez l'image à l'intérieur, ça donnera à peu près ça. Vous pouvez même mettre encore un petit message ici. Voilà. Donc moi, ça va venir s'installer comme ça. Comme ça, à l'intérieur, ça ne ressort pas ici non plus. Mais là, ça me laisse suffisamment d'espace pour venir faire ma décoration florale. Donc, sachant que je veux que ça se mette comme ça à l'intérieur, je vais prendre le dies qui a la taille de mon papier décor. Je vais me mettre comme ça au-dessus, approximativement. À 1 mm, ça vient pas, évidemment. Et je sais maintenant que c'est ici, comme ça, que ça doit venir. Donc moi, je mets du papier, du scotch repositionnable, et je le mets vers l'intérieur du rond pour éviter de prendre le risque d'abîmer mon papier déco à l'extérieur. Alors, pour faire ça, il faut une machine de découpe A4. Parce que moi, je vais passer, donc cette partie-là va rester, donc cette partie-ci va rester à l'extérieur de ma machine, et je vais prendre les plaques de ma machine, comme ça vous verrez comment je vais les passer. Je ne sais pas vous le montrer parce que ma machine est sur l'autre côté sur un autre meuble, sur l'autre côté de ma pièce, et en plus elle est grande, donc c'est la Bishop, la Switch que j'ai, donc la grande électrique, j'ai pas envie de la bouger à chaque fois. Mais je vais vous montrer comment je fais mon sandwich. Alors regardez pas mon sandwich parce que moi j'ai fait un sandwich maison et ça fonctionne très bien. Donc moi j'ai utilisé une grande plaque que normalement j'utilise avec ma machine de découpe Artemio que j'ai mis. Donc je garde la grosse plaque normale, la fine plaque comme ça, puis je mets celle-ci. Puis je vais mettre en laissant dépasser. Comme ça, je vais faire rentrer la plaque jusque là et pas le bas de la carte. Et puis moi, je viens protéger avec une feuille blanche. Ça évite d'avoir trop de marques sur mon papier. Moi, j'utilise les plaques de chez Action, les plaques de découpe que je coupe à la bonne distance et je mets une épaisseur de carton en plus. Je viens passer ça dans ma machine. Vous allez entendre le bruit. Désolée. Bon, je vais mettre sur pause parce que le bruit il est vraiment hyper désagréable et je reviens tout de suite. Voilà, donc je l'ai passé dans la machine. Je vous précise que je l'ai passé deux fois. Une fois en mettant comme ça, avec le dies vers le haut, et une fois comme ça, mais toujours en protégeant tout, hein. Donc vous voyez, ça n'a mis aucune marque sur mes papiers, mais au moins, je suis sûre que c'est passé. Bon, alors ici, comme c'est attaché avec le scotch. Repositionnable, je vais d'abord, voilà, enlever et hop, ça s'enlève nickel. J'ai passé deux fois dans la machine et j'ai aucun problème. Alors, c'est du scotch repositionnable, donc en principe, ça laisse pas de marque, mais parfois oui, donc je l'enlève quand même délicatement et j'ai même pu récupérer le rond. Je le garde, ça peut toujours servir. Donc j'en ai plusieurs là du coup et voilà ce que ça fait. Voilà, et donc en fait, on va venir coller. Alors, pour coller l'image crochetée, je vais utiliser une colle. Donc, je vais pas utiliser la glitter, je vais utiliser la colle de chez Action qui, quand elle est sèche, elle tient très bien, mais qui met un peu plus de temps à sécher, ce qui me permet de pouvoir bouger mon image jusqu'à lui avoir trouvé la place vraiment où je veux qu'elle soit. Donc, mais avant de coller mon image, comme ça. Vous voyez, ça donnera ça. Mais avant de coller ça, je vais d'abord décorer tout ça. Pourquoi?
Parce que si je mets mon image crochetée à l'intérieur, quoique, je suis en train de vous dire des bêtises. Non, ce que je... Non, 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 non. J'ai dit une bêtise. Non, je dois vraiment coller mon image parce que c'est par rapport à mon image que je fais ma décoration après. Mea culpa, je dis des bêtises. Alors, par contre, j'ai toujours un tout petit peu de traces de colle de mon scotch. Donc, avec une gomme spéciale pour la colle, hein, tout simplement, je viens sentir avec mon doigt où il y avait le scotch pour pouvoir retirer un peu les traces de colle. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner et je vais faire la décoration hors caméra. J'ai pris tous les éléments pour vous montrer comment j'allais procéder, mais après, pour faciliter, donc je vais déjà faire chauffer mon pistolet à colle, je ferai tout hors caméra. Donc, maintenant, je vais faire ça avec vous. Moi, j'utilise donc cette colle de chez Action. J'en mets partout, comme ça, bien sur les bords. Donc, c'est une colle qui a la facilité, c'est qu'on peut bouger. Ça colle très bien, mais ça colle pas directement. Donc, vous pouvez comme ça repositionner une fois que vous êtes sûr de là où vous voulez que votre image soit. Vous voyez, j'ai laissé exprès, j'ai mis le papillon par là et j'ai laissé exprès ici pour pouvoir faire ma décoration florale. Là, voilà, ça me plaît bien. Je vérifie comme ça. Parfait. Une fois que vous êtes sûr de la position de votre image, bien appuyé pour que ça prenne. Alors, en fonction de ce que vous allez mettre comme décoration ici, moi, ça va être donc les strass que j'ai se présentent comme ça. Vous voyez, ce sont des rangées. Attendez, je vais sortir ça. Ce sont des rangées de strass, normalement en bande autocollant. Évidemment, ça me fait mentir. J'enlève la première strass qui part avec. Normalement, c'est des bandes autocollantes comme ça. Vous voyez? Moi, je vais m'amuser à enlever strass par strass. Mais avant de coller ça, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Il faut coller ça. Voilà, c'est ça en fait. Et c'était pour ça que je pensais, ouais, mais ça va, ça ne me gênera pas. Donc, c'est maintenant que vous allez avoir besoin de vos deux petites images comme ça. Donc, une que vous allez mettre ici devant, bien collée au rebord de votre découpe. Et la deuxième, que vous allez faire pareil, coller ici, au rebord de la découpe. Et ensuite, c'est avec ça, après, que vous allez décorer. Donc, moi, je vais le faire. Alors, par contre, pour coller, je vais utiliser ma colle à glitter. Alors, j'en mets vraiment que au niveau du rebord ici, sachant que là où il y a les trous, moi je mets des strass ou des perles, donc tout va être collé avec ça. Hein. C'est pas nécessaire de mettre 3 tonnes de colle. Ça fonctionnera aussi bien comme ça. Comme ceci. Bien le plus possible au bord de la découpe pour laisser apparaître le moins possible le papier. On enlève le surplus ici, c'est un peu de colle. Déjà comme ça donne super bien, je trouve ça super beau quoi. Voilà. Et alors ici la même chose. Alors si vous avez peur de pas bien le coller comme ça, vous ouvrez simplement. Alors, vous collez ceci ici. Alors, moi, ici, il y a un peu de blanc, ça me dérange, mais comme je sais que je vais coller toute ma décoration florale ici, je vais mettre ma découpe avec le blanc par ici, comme ça sera camouflé avec ma déco. Voilà. Donc je mets bien tout le côté un peu blanc là qui me dérange ici sur le côté là où je sais que ça va être caché par la décoration florale et je viens coller bien bord à bord par rapport à au cercle qui a été découpé.
Voilà, vous voyez, comme ça fait vraiment un joli tour. Alors, au niveau de la déco, maintenant, revenons-en à nos moutons. Hein. Donc, je ferme bien directement mon petit tube parce que sinon, après, c'est bouché. Donc, à ce niveau-ci, je vais m'amuser à décoller strass par strass pour les coller sur chaque trou. Par rapport à ici, ce sera d'abord la décoration florale. Donc, il me manque les feuillages. J'avais préparé tous les restes sauf le feuillage, donc je vais vite le prendre. Alors, quelle couleur de feuillage vais-je prendre pour... Vous voyez, ça c'est ma boîte où je mets mes feuillages. J'ai une deuxième boîte avec un autre modèle de feuillage déjà tout fait. Choisir le feuillage que je vais utiliser. Alors, voyons, voyons. Je regarde par rapport à mes autres cartes. Quel sera le feuillage le plus adapté? Parce que dans les tons verts comme ça, j'ai pas de feuillage. J'ai du comme ça. Alors, j'ai soit ce modèle-ci, qui peut venir donc comme ça et comme ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Et cette couleur là ressort quand même pas mal. Je vais faire ça, je pense. Comme ça. Ouais. Parce que j'avais aussi ce modèle-ci, mais que j'ai déjà utilisé sur plusieurs réalisations, donc j'ai envie de changer. Et les autres sont trop automnales par rapport à la couleur des papiers. Je trouve que ça n'irait pas. Ça fait vraiment trop automne. Donc voilà qui est fait. On a choisi le feuillage. C'est des feuillages que j'ai en réserve et que j'ai déjà fait préparer à d'avance depuis un petit temps. Alors je vérifie toujours s'il n'y a pas des petits endroits de mes feuillages, comme ici par exemple, où j'ai pas retiré les petits morceaux de papier qui bougent et qui gênent. Alors je vais vous montrer donc comment je procède hein, en général. Quand je décide de la déco d'une carte. Alors ici c'est facile parce que j'en ai déjà fait plusieurs, donc je sais vers quoi je veux aller, parce que je vais plus ou moins rester dans les mêmes décorations. Donc la dominante de ma carte étant violette, j'ai préparé une roue, une fleur violette qui sera au centre de ma décoration. Ensuite, j'ai pris deux petites jaunes un peu vertes, qui vont faire ressortir le reste et adoucir un peu la couleur foncée. Comme ça, bon, je le dispose, mais au moment de coller, je ferai ça bien, c'est pour vous montrer un peu comment je fais. Moi, j'aime les choses symétriques aussi. En général, j'essaye toujours de rester symétrique dans mes décos. Voilà pour... les fleurs principales de la réalisation. Alors, il me manque un élément que je ne sais pas où j'ai mis. Alors, ici j'ai une petite déco violette, ça peut aller avec. Est-ce que j'ai pas mis ça là? Non. Où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai rangé. Peut-être rangé dans une boîte. Attends, je vérifie. Aujourd'hui, bon, je cherche, en fait je vais chercher ça, cette tige là, j'en avais une de réserve que j'avais gardée pour faire avec cette carte-ci parce que ça allait vraiment bien dans les couleurs de la carte et je la trouve plus, je sais pas ce que j'en ai fait, je m'y pose et je reviens tout de suite dès que je l'ai retrouvée. Bon ça y est, ma petite branche qui était portée disparue, je l'ai retrouvée. La voici. Donc je vais rajouter quelque part ici cette petite branche. J'ai également deux mini roses qui vont venir s'ajouter dans la composition, à mon avis, comme ça et comme ça. Et alors j'ai deux toutes petites qui viendront, si pas là,
celle-ci ira à d'autres endroits. Enfin, en tout cas, voilà, je vais les composer comme ça. Donc, je vais peut-être essayer de faire ça avec vous, finalement. Comme ça, vous voyez vraiment. Le pistolet à colle a eu le temps de chauffer. Donc, je mets de la colle sur la tige centrale. Je commence, donc je mets celui du bas le plus possible incliné, mais en faisant attention de ne pas mettre de la colle qui ressort. Et alors celle-ci va venir comme ça à peu près. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, il faut faire attention de ne pas se brûler. Moi, c'est la cata. Chaque fois que j'utilise ce pistolet à colle, j'ai des fils partout, je me brûle. C'est vraiment pénible. Alors, la fleur centrale. Donc, si je dois la recouper un peu en dessous, si je dois retailler un petit peu, enlever pour la rendre plus plate, les tiges de mes pistils. Voilà, je fais juste attention de ne pas tout démonter en coupant, hein, de ne pas couper trop loin. Et je fais surtout attention de ne pas mettre de la colle au niveau du trou. Hein. Quand vous collez vos éléments, faites attention de ne pas coller les deux feuilles ensemble. Hein. Il faut que vous puissiez ouvrir votre carte. Donc, enfin, moi j'utilise cette décoration-là. Après, vous pouvez utiliser la décoration que vous voulez. Hein. Il faut faire avec ce que vous avez à la maison, ce qui vous plaît. Votre style à vous, votre personnalité, il faut qu'on retrouve votre marque, votre signature quoi, dans vos réalisations. Il ne faut pas faire bêtement du copier-coller de ce que nous on fait. Hein. Oups. Voilà. Alors, pour vous dire où j'ai acheté ces fleurs-là, honnêtement, je ne sais plus. Très sincèrement, ça fait tellement longtemps que je les ai pour certaines. Celles-ci, je les fais moi-même, donc ça, voilà. Mais ces fleurs-là, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai acheté ça il y a déjà un bout de temps. C'est possible même que j'ai acheté ça à quelqu'un sur Vinted. Certains lots de fleurs, je les ai achetés en deuxième main. Donc, après des fleurs toutes faites, si vous n'avez pas le matériel pour les faire vous-même, ou si vous n'aimez pas faire ça, ou si vous n'avez pas la patience, ou que sais-je encore, des fleurs toutes faites, vous en trouvez vraiment partout et à tous les prix. Donc, il y a toujours moyen de s'en procurer. Alors, ici, c'est un petit peu trop. Mais moi, perso, je trouve que faire ses fleurs soi-même, c'est tellement plus gratifiant. Ça permet aussi de coordonner vraiment à la couleur de vos papiers. Ça c'est hyper important parce que ben c'est pas toujours facile de trouver des fleurs qui vont vraiment pile, ou alors il faut acheter les fleurs de la collection. Mais je sais pas si ça il y a avec tous les collections de papier, donc là en les faisant soi-même, vous achetez une bonne gamme d'encre. Et en plus, ben, c'est super agréable à faire quoi. C'est hyper gratifiant et c'est très agréable à faire. Voilà. Donc ça commence déjà à donner ça. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors la tige qui est là, je vais la recouper un peu parce qu'elle est trop longue. Et je vais la mettre à mon avis ici. Alors je relève pour un peu bien voir ce que je fais. Là ou là. Là ou là, je ne sais pas. Là, ça va sur mon papillon, ça me dérange un peu. Je pense que ce sera ici. Oui. Donc, maintenant que j'ai déterminé l'endroit où je veux la mettre, je vais venir la coller directement au bon endroit. Voilà, je vous mets en pause 2 secondes parce que j'ai presque plus de batterie. Voilà, j'ai résolu le
Voilà, je disais, j'ai résolu le problème de batterie, donc je l'ai branché tout simplement. Alors, donc j'en étais arrivée à ça ici, donc cette petite tige-là, je l'ai glissée ici. J'ai cette jolie petite fleur avec un peu d'orange qui est un bon rappel de mon papier. Petite touche d'orange et celle-ci, je vais la mettre à côté, je pense. Comme ça, ou éventuellement ici. Vous voyez, en général, avant de coller mes éléments, je fais toujours des essais et je regarde si ça me plaît, si ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas, donc je pense que je vais la coller là avec le reste. Ouais. Donc celle-ci, on lui met sa petite dose de colle sur sa tige et ensuite on vient la glisser proprement là où elle doit aller. Voilà, alors mes deux jolies roses, les plus grandes et alors les plus petites, je vais leur faire une petite queue en tire-bouchon. Donc vous prenez quelque chose de rond et de fin. Sur ces mini roses-là, moi j'aime bien tournicoter les petites tiges pour en faire. J'appelle ça des petits tire-bouchons, comme ça. Bien, c'est mieux. Alors, celle-ci, il y en a une qu'on va mettre. J'hésite à mettre les grosses là, mais je pense que ça va être trop gros. Je pense en mettre une comme ça. Non, ça ne me plaît pas. Une là, je sais pas si je vais les mettre du coup ou une ici, une petite, j'hésite, une grande là et une grande. Je veux pas qu'elles soient trop près l'une de l'autre. Elles peuvent pas aller par ici parce que ça peut pas aller sur le celui d'en dessous. Celle-ci, clairement là, c'est bien. Et celle-ci, si je la mets là, je pense pas que je vais les mettre en fait. Je pense que je vais juste mettre les petites, ça sera suffisant. Je vais mettre une petite là. Ici, je vais mettre une petite ici. Et je vais prendre une troisième petite pour mettre là. Ce sera plus joli que les toutes grosses. Vous voyez, parfois je prépare et puis en cours de réalisation, en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai sorti ne me plaît pas toujours pour faire ce que je fais. Donc j'adapte comme ça. Et alors, donc il y en a une là, et alors celle-ci, on peut la mettre là. En fait, je voulais pas cacher la boucle ici. Donc, comme ça. Et en même temps, comme ça fait un peu moins. Oh, ici. Comme ça, c'est bien. Oui, donc, ma petite rose. Une pointe de colle chaude là et on vient la positionner ici. On tire les fils de colle, c'est pas joli sinon. La deuxième. Et ensuite, la troisième, je vais la coller là. Ouais. Parfait. Comme ça.
Surtout le tour ici, je vais venir faire un contour de perles blanc nacré pour les faire ressortir. On peut mettre également des violettes. Je suis en train de me demander si je ne vais pas plutôt mettre des violettes. Il faut les disposer pour voir ce que ça donne. Alors, on va voir. Blanche ou violette? Je vais prendre les violettes pour voir. Trouve que le blanc est fort pâle par rapport au reste de la carte. Donc, on va essayer avec les violettes. Je crois que ce sera violet. Ou une blanche et une violette. Est-ce que c'est joli une blanche et une violette? Une blanche, une violette, une blanche, une violette. Ça peut être sympa ça, d'alterner. Moi, ça me plaît bien une blanche et une violette. Je vais faire ça, je pense. Que tout violet, ça va être sombre. Et puis, j'ai déjà fait sur celle-ci. Donc, sur celle-ci, je vais faire un mix des deux. Donc, voilà. Ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est vraiment très très long et il n'y a aucun intérêt à ce que vous me voyez coller des perles. Hein. Vraiment, franchement, vous allez vous ennuyer. Donc, ça, c'est pas nécessaire du tout. Donc, je les enlève pour le moment. Alors, au niveau de ma décoration florale principale, j'aimerais bien encore coller un petit élément supplémentaire que j'ai ici. Et je vais essayer de concentrer tout ça vers le haut, pas trop ici en dessous. Donc celle-ci, je pense que je vais l'ajouter ici. Comme ça, quand on regarde la carte, oui, je vais l'ajouter là. Et je refermerai la pétale par-dessus. Donc, je mets de la colle sur. Alors ça par contre, j'ai toujours un peu de mal à les tenir à cause de mes ongles. Sur la petite tige ici, je viens glisser ça juste là. Et je viens, hop, délicatement. Vous voyez comme ça fait une petite touche en plus qui fait ressortir le reste. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, ici à l'intérieur, je vais faire mon tour de strass, mais je le ferai hors de caméra également. Et alors, normalement, sur mon image crochetée, je mets toujours un petit charme en métal. Donc, je vais regarder ce que j'ai dans mes petits trésors comme petit charme en métal. Voilà. Alors. Des papillons, j'en ai presque plus, donc je ne vais pas tous les utiliser. À moins que je mette une libellule. Libellule, c'est sympa aussi. Je vais faire ça. Et donc, est-ce que je la mets là ou là? Voilà, à l'opposé de mon papillon. Si je le mets comme ça ne me dérange pas. Non. Je vais la mettre là. Donc, pour coller ça, je le fais à la hard glitter. Ça colle vraiment très très bien. Et ça colle vite. Ensuite, le reste de la déco, je le ferai hors caméra. Et quand elle sera tout à fait terminée, je vous montrerai le résultat final. Mais coller les perles, ça prend du temps. Et honnêtement, il n'y a rien de hyper compliqué à ça. Donc, autant que je le fasse hors caméra. J'ai encore une dernière petite chose à faire avec vous. Donc j'aimerais y mettre mon petit message de joyeux anniversaire. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ma chute de papier de mon cardstock de base. Je vais essayer de trouver un papier de la collection Une chute également dans les couleurs de ma carte.
Donc, soit de vert, soit de jaune. Une petite chute, celle-là. Ça pourrait bien. Je vais garder parce qu'il y a du vert dans la carte aussi. Sinon, si j'avais une chute dans le jaune, ce serait encore mieux. Je veux vraiment une petite chute pour pas. Voilà, bah ici. Prendre celle-ci, je pense. Toute petite chute qui ne peut pas me servir pour autre chose. Si je mets un morceau de ça. Ouais, je vais faire mon tamponnage là-dessus. Alors, j'ai un chouette tampon ici. Joyeux anniversaire. Je l'ai vu en fait sur la chaîne de Camille. Et je l'aimais vraiment bien. Il est super pratique, donc je le garde toujours à proximité parce que ben, je l'utilise tout le temps. Je tamponne mon message à la Versafine claire, mais en couleur feuille morte, donc en couleur marron. Je trouve ça beaucoup moins agressif que du noir. J'aime beaucoup. Hop, il se tamponne très bien. Il passe partout. Alors, par contre, pour le nettoyer, moi, j'utilise toujours un peu de Stazone, de nettoyant Stazone et une lingette. Je le nettoie directement, comme ça, on ne se sale pas. Pendant ce temps-là, ça permet à mon tamponnage de sécher. Voilà. On enlève bien tout. Hop. Et celui-là, il reste près de moi. Ça, je l'ai toujours à portée de main. Parce que comme pour le moment, bah, je fais des tartes d'anniversaire tout le temps. J'ai d'autres mots joyeux anniversaire. J'en ai en dies et tout aussi. Mais celui-là, c'est vrai que ces derniers temps, depuis que je l'ai, je l'utilise beaucoup. Voilà. Alors. Je prends mes ciseaux. Et je vais recouper le message. Je me base sur les petites lignes qui sont dessus. Alors parfois je garde les points, parfois pas. Mais en tout cas, je coupe toujours ici au niveau de la ligne. Les petits points en dessous, je n'aime pas plus que ça. Donc ça, je les enlève. Et ensuite, je garde un. Je fais un contour, j'ai rangé là. Je fais un contour avec la Versafine pour faire ressortir l'écriture. Léger, voilà, hop, c'est suffisant. On range ça. Les encres que j'utilise le plus, elles sont vraiment en face de moi. Je vous ferai un room tour, hein, mais faut le temps que je le fasse, quoi. Il faut que je range aussi ma pièce, que je la nettoie correctement, même si elle est toujours propre, mais... Voilà, faut que je l'arrange vraiment pour pouvoir faire votre tourner le room tour. Donc une fois que c'est fait, je vais coller mon petit message sur mon cardstock violet de base. Je laisse un débord de quelques millimètres en dessous et sur le côté. Comme ça, et ensuite à l'aide de mes ciseaux, je vais venir découper le reste. Donc je fais attention que par rapport en dessous ce soit plus ou moins droit. Voilà, et je viens hop, et voilà, j'ai mon sentiment qui est fait, et je n'ai plus qu'à le coller. Alors, soit je le mets là, et ainsi toute la décoration est centrée vers le bas. Moi, j'aime encore bien, ça ne me dérange pas. Comme ça. Soit je le mets là. Mais je pense que cette fois-ci, je vais le mettre là au-dessus. Je trouve ça joli. Donc, hop. Mais ça, c'est une question de goût, hein. Donc, vraiment, vous mettez vos éléments de décoration où vous le souhaitez. Moi, j'ai mis un mot « joyeux anniversaire ». Vous pouvez mettre « bonne fête des mères »,« sincère félicitations ». Enfin, voilà, il y a plein de petits messages pour le plaisir, juste pour toi.
Voilà, je veux dire, il y a vraiment plein, plein, plein de messages qu'on peut mettre. Et moi, j'aime beaucoup comme ça. Et en fait, je vais mettre les perles, les mêmes perles que je vais mettre là, je vais en mettre sur les deux points du joyeux anniversaire. Donc, je termine ma déco hors caméra et dès que la carte est complètement terminée, je vous montre le résultat final. À tout de suite. Et voilà, elle est tout à fait terminée. Alors, j'ai rajouté les petites clochettes, comme ça fait un peu de bruit quand je le secoue. Voilà mon contour de perles, j'aime beaucoup en bicolore, comme ça je trouve ça vraiment chouette. J'ai mis donc une perle de chaque couleur sur mon petit joyeux anniversaire. Voilà. Et quand on ouvre, hop, surprise! Image crochetée et mon contour ici au strass. Et voilà. Et quand on la met debout, franchement, ça donne un superbe résultat. J'aime vraiment beaucoup. Donc, on pourrait aussi pousser le bouchon jusqu'à faire un tour de strass ici autour, mais j'ai pas envie parce que je veux vraiment que quand c'est fermé, ce soit comme ça. Et voilà donc les trois, l'une près de l'autre, les deux violettes et la rose. Voilà les trois que j'ai actuellement de fait. Il y en a une quatrième qui va bientôt arriver en bleu. Je vais vous montrer les papiers, mais j'ai tamponné mes fleurs parce que j'avais pas les fleurs de couleur qu'il me fallait. Donc j'ai préparé déjà les tamponnages, mais je vais encore faire toutes les fleurs qui vont avec. Donc je vais déjà vous montrer un petit peu donc, ce que ça va donner. J'ai une rose bleue que j'ai trouvée dans mes petits trésors. Donc j'ai déjà tout préparé. Vous voyez, c'est déjà tout est déjà collé. J'ai plus qu'à faire ma disposition florale. Mais j'avais pas de fleurs dans les bons tons, donc j'ai tamponné des fleurs, mais je dois encore tout coloriser. Donc ben, je vous montrerai en photo le résultat final de la carte bleue une fois qu'elle sera finie. Voilà, donc en attendant le prochain tutoriel, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!